Après des années de souffrance, Kratos, le grand général, devenu le fantôme de Sparte, avait mis son bras au service des dieux de l'Olympe. En retour, il espérait simplement pouvoir se débarrasser des cauchemars qui le hantaient depuis trop longtemps. À ses péchés du passé, il ne trouva de répit et d'apaisement que dans le fracas des armes. C'est alors que Kratos avait été appelé par les dieux pour affronter une menace inconcevable, lâchée par les envahisseurs perses sur la ville d'Attique. Yeah.
calamité as-tu apporté sur cette ville, Perse ? Calamité ? Ce n'est pas une calamité que j'apporte, Spartiate. C'est la puissance de la Perse et le sacrement de la purification. À l'instant même, mon basilic nettoie cette terre pour qu'elle accueille la gloire de l'Empire Perse. L'Olympe a un message et je suis ici pour le remettre. Alors tu n'es qu'un messager. Rapporte ce message à tes petits dieux. Il faudra plus qu'un misérable spartiate pour stopper la puissance de l'Empire. Et je te donnerai tout ce que tu désires. Je ne désire rien, Perse. Prends mon royaume, mes femmes, mon or. Tes richesses ne m'intéressent pas. Mais je vais prendre ta vie. Pouvons-nous faire quelque chose pour vous remercier ?
Messire ? Merci, Monseigneur.
s'acquittant de sa mission divine, Kratos terrassa le basilic, apporté par les Perses. Mais cette victoire dérisoire ne pouvait satisfaire l'homme que l'on appelait aujourd'hui le fantôme de Sparte. C'est tout ce que vous avez pour moi ? N'y a-t-il rien d'autre ? Le soleil plongeait sur l'horizon, que le monde sombrait dans les ténèbres, Kratos sut que ce n'était pas là un signe des dieux. Quelle est donc cette folie ? Le regard fixé sur l'horizon, Kratos fit route vers la mystérieuse lueur. Il allait trouver bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Dans les ténèbres, Morpheus, dieu des rêves, s'éveilla à un monde où lui et lui seul avait le pouvoir. La terre fut lentement recouverte d'un voile noir qui engloutissait tout ce qu'il touchait.